Allô, bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque. Ici, deux exercices NBC, NB, NB vide, NBVal et NBC pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que ces fonctions qui sont assez simples, dont on ne se sert pas forcément tout le temps, mais c'est NBC qui est surtout très utile. Premier exercice, NBC sur la première feuille de calcul. Le tableau urne 1 que vous voyez ici, qui sera donc la plage qu'il faudra sélectionner. C'est pour ça que j'ai mis plage en bas. Je vais le mettre en plus petit. Le tableau urne récapitule le dépouillement lors d'une élection de délégués. On note le nom écrit sur le bulletin dans le tableau. Dans le deuxième tableau ici, on veut calculer le nombre de bulletins obtenus par chaque candidat. Ce sera donc ici les critères. Je vous ai mis ici la fonction qu'il faut utiliser. Le problème revient donc à compter le nombre de fois que le prénom Pierre ou un autre est inscrit dans le tableau urne 1. Je vais donc mettre ici ma formule qui sera donc de dire égal NB, pardon, excusez-moi, N B point si parenthèse, je peux le mettre en minuscule, hein. Et je vais sélectionner la plage qui va bien de A6 à 21, donc la plage du premier tableau que l'on a ici. Point virgule, ça c'est ma plage. Et ce sera donc ici pour Pierre que je veux compter le nombre de bulletins. Donc j'indique ici le C7 qui est bien Pierre pour qu'il aille chercher Pierre ici. Et je ferme ma parenthèse et je fais la touche Entrée. Excusez-moi, je dois avoir une erreur ici, je n'ai pas mis Pierre. NBC. Et je vais recommencer ma formule. Ne vous inquiétez pas. Égal, j'ai dû cliquer à côté. NB.si, parenthèse, de la cellule A6 à A21 pour ma plage. Je clique ici, je dis point virgule. Et je clique sur Pierre ici, qui est bien C7. Et je ferme ma parenthèse. Et je fais la touche Entrée. Donc Pierre a 5 bulletins. Une fois là, 2, 3, 4 et 5. On peut recommencer la formule évidemment, mais on peut aussi recopier vers le bas les formules avec la croix noire ici. Je peux vous la répéter si vous voulez. Égale. NB.si, parenthèse, je sélectionne ma plage où j'ai tous les noms, point virgule. J'indique C8 pour Yves et je ferme ma parenthèse, entrée pour avoir le nombre de bulletins de Yves. Mais je peux, avec la petite croix noire simple, recopier vers le bas afin d'avoir Anne et Sophie. Comme vous pouvez le voir ici, il a bien pris C9, c'est bien Anne. Je clique ici, il a pris C10 et c'est bien Sophie. Donc on voit bien que Yves a 3 bulletins. Yves, une fois ici, 2 et 3. Anne, 4. 1, 2, 3 et le quatrième. Si je change ici, par exemple, pour Yves et que je mets à la place de Yves, je remets Pierre. Entrée, forcément, Yves n'a plus que 2 bulletins et Pierre 6. Si par exemple, ici à la place de Yves, je mets Anne, entrée, Yves n'a plus qu'un seul bulletin et Anne a 5. J'enregistre mes données. C'est pour la fonction NBSI, nombre si selon des critères.
Ici, on va faire plusieurs fonctions. Ici, j'ai un tableau avec le nombre de jours, des postes différents, Pierre, Luc, selon les agents, plusieurs agents, Pierre, Luc, Anne, Sylvie, et selon les jours où ils sont postés. Ici, on a la plage en vert que j'ai mis ici à chaque fois. Ici, la plage en rose pour le nombre de jours. NB permet de compter le nombre de chiffres qu'il y a dans la plage de recherche. Exemple, combien de journées dans mon tableau? Ici, combien de journées? J'en ai 15. NB vide permet de compter le nombre de cellules vides. Exemple, combien de postes non occupés dans mon tableau? Donc, il comptera les cellules vides. NB val permet de compter le nombre de cellules qui contiennent des caractères. Exemple, combien de postes pris dans mon tableau? Combien j'aurai de postes pris là où il y a les prénoms? Et NBC, combien de fois apparaît le prénom Jean, par exemple, comme tout à l'heure, dans mon tableau? On va donc commencer par NBC, par exemple. Et c'est la même formule que tout à l'heure. Égal. NB.si, parenthèse. Ma plage en vert qui est ici, je sélectionne donc la plage qui est en vert ici afin qu'il aille chercher dans cette plage-là le prénom de Pierre. Je fais un point-virgule et je clique sur Pierre ici. H9. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Ainsi, on voit que Pierre est trois fois posté. Pierre ici et Pierre ici. Comme tout à l'heure, hein, je recopie ma formule vers le bas afin qu'il puisse calculer combien de fois il y a Luc, combien de fois il y a Anne et combien de fois il y a Sylvie. Ici, poste sans garde, donc NB vide. Il va calculer les cellules vides. Donc, égal NB point vide, on met le point, parenthèse, et on sélectionne les plages en vert afin qu'il calcule les cellules vides. Et je fais entrer. Ainsi, il y a 33 vides ici. On ne va pas les compter, mais c'est les cellules qui sont vides. Ici, total des postes occupés, c'est-à-dire le nombre de fois où il y a un poste occupé, où il y a un prénom. Donc, c'est NB val, il n'y a pas de point, parenthèse. Je sélectionne l'ensemble. J'ai oublié le égal, c'est important. NB val, pour qu'ils comprennent qu'il y a un calcul. Et je sélectionne toute ma plage verte. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Ainsi, on a 12 cellules qui sont remplies par les prénoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ici, le nombre de journées. Donc, NB, le nombre de cellules qui est rempli en fait, égale NB, parenthèse, et je sélectionne le nombre de cellules en rose. Ici, je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Il y a bien 15 jours, de 1 à 15. Si ici, par exemple, je remplis, là, je voudrais mettre, par exemple, Anne. Entrée. Ici, il y aura donc 32. Anne sera rajoutée ici. Et là, ça va changer, forcément. Ici, on va mettre Pierre. Entrée. J'aurai donc un poste en garde en moins, un total de postes en plus et Pierre ici qui en aura 4. 1, 2, 3 et 4 ici. Voilà, ici je vais donc mettre en gras, centrer les données, ça c'est pas un problème, gras, centré, ça on peut le faire après.
Et il me suffira donc simplement de changer les cellules ici et de rajouter la personne que je veux ici. Par exemple, on va mettre Luc. Entrée. Vous voyez, je ne fais pas entrée ici, on voit Luc 2 ici. Ici, il y aura un poste en moins, forcément, un poste en plus ici. Si je fais entrée. Donc regardez, Luc 3 du coup. Un poste en moins parce qu'il y a un poste avec garde. Et le total de postes occupés, 15, un en plus. Et j'enregistre mes données. Voilà, hein, c'est assez pratique, la NBC d'ailleurs, en tout cas, mais les autres aussi, pourquoi pas, pour compter les cellules vides, les cellules où il y a des valeurs, c'est-à-dire où il y a du texte, et les cellules pour les nombres de jours ici, le nombre de cellules remplies. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur LibreOffice Calc. À bientôt!